L'Indien est ici. Ma fin est proche. Va à la place de la mairie, mardi à minuit. Henri. Minuit et quart, et toujours pas de Clara. Peut-être qu'elle se doute de quelque chose. Bon, qui est notre homme? Il s'appelle Henri Jouanneau. Il est professeur de musique à Pont-Scorff depuis 15 ans. Il est célibataire, il a une fille adoptive, et sa dernière apparition remonterait à hier soir à l'église de Pont-Scorff. Selon la sacristaine, il jouait encore de l'harmonium quand elle partait. C'est la femme de ménage qui a téléphoné? Oui, on l'a interrogée tout à l'heure. Elle habite aussi dans l'immeuble, à un étage au-dessus. Elle a trouvé la porte d'entrée entrouverte et elle nous a appelé quand elle a vu la trace de sang et la chaussure. Jean? Oui. Oui, oui, allez-y. Vous avez photographié les fleurs à côté? Oui, oui. Les fleurs? Oui. Apparemment, notre homme est un passionné de botanique.
Ma chère Clara, ma chère Clara, ma chère Clara. Bon, je voulais me montrer quelque chose. Oui. J'ai trouvé ça. C'était sur la table de la cuisine. Mmh. Une menace de mort? On dirait, oui. Et ces écrits-là, tu as une idée de l'origine? Je ne sais pas. Ce symbole, cette couronne, on dirait un message indien. Mais bon, ça partira au service cryptologie aujourd'hui. Très bien. Tu as quelque chose d'autre? Une enveloppe. C'était dans la boîte aux lettres. Clara Giuano. Oui, sa fille. Mais regardez donc au dos. Henri Giuano. C'est bien un retour de courrier. On s'est rendu sur les lieux par curiosité. C'est à deux pas d'ici. C'est une vieille maison de campagne inhabitée. Et la boîte aux lettres est cassée. Cassée? Oui, je pense que c'est une bande de jeunes qui a dû faire le coup. Ils ont dû venir squatter là un soir avant d'aller en boîte. Il y a une discothèque pas très loin. Tu as questionné la fille? Non, elle était effondrée au téléphone quand on lui a appris ce qui s'était passé. Mais on pourra passer chez elle en début d'après-midi. Très bien. Oui. Clara Giuano? Oui. Bonjour, je suis le lieutenant Kersuzon. Et voici le sergent Coudert. Nous enquêtons sur la disparition de votre père. Ah oui, vous m'avez téléphoné, rentrez. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, lieutenant? Voilà, Clara. Ce matin, en perquisitionnant l'appartement de votre père, nous avons trouvé une lettre ornée d'une tête de mort, écrite en langue étrangère. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'étais là le jour où il l'a reçue. C'était bien une menace de mort? Oui, c'est ça. C'était bien une menace de mort. Pourquoi ne pas avoir prévenu la police? Parce que mon père est un homme superstitieux. Le message était clair. La menace ne s'adressait qu'à lui. S'il essayait de prévenir qui que ce soit, la malédiction retomberait sur sa fille. La malédiction? Pour bien comprendre les choses, lieutenant, il faut revenir 15 ans en arrière. C'était à Pissac, dans la région de Cusco. Mon père était alors missionnaire auprès des tribus indiennes. Il s'était retiré de la civilisation et vivait en ermite dans la forêt. C'est là-bas d'ailleurs qu'il m'a recueilli. J'avais été abandonnée alors que j'étais toute petite. Mais... je me souviens plus. Que fais-tu là? Où sont tes parents? Sinon, en dehors de ses missions, il vivait une grande passion pour la botanique. Et un jour, lors d'une excursion, il fit une découverte. De quoi s'agissait-il? Je ne sais pas. Il ne m'en a jamais parlé. Mais c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Les menaces de mort? Mmh. Le dessin qui figure sur le message est originaire des Indiens d'Amérique du Sud. C'est un peuple connu là-bas pour sa pratique de la magie.
Ils l'utilisent dans leur vie quotidienne, pour fertiliser la terre par exemple, ou encore pour la médecine, pour vaincre les maladies. Thank you very much, Hamo. Mais ils peuvent aussi l'utiliser pour jeter des sortilèges. Et à leurs yeux, mon père avait provoqué les dieux. Pour ceux qu'il a découvert ? Oui. Et quand les menaces ont commencé à apparaître, il a pris peur. Il est reparti en France avec moi. Et avec cette découverte ? Oui. Mais je vous le répète encore une fois, lieutenant, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il l'a fait expédier après notre départ et depuis, il n'en a pas parlé. Il prenait vraiment ses menaces au sérieux. Vous comprenez ces écrits ? Non. Mais mon père, lui, connaissait bien ce dialecte. Il lui parlait couramment, d'ailleurs. Très bien, Clara. Nous n'allons pas vous importuner davantage. Bien, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi si vous avez besoin. Pas de problème. Et tenez-moi au courant si vous avez du nouveau. Pas de problème, Clara. Ah, j'allais oublier. J'ai une lettre pour vous. Une lettre ? Vous connaissez le lieu-dit Kérignan ? Bah, bien sûr, c'est là où il y a notre maison de campagne. Mon père m'y amenait souvent quand j'étais petite. Pourquoi ? Eh bien, faites refaire la boîte aux lettres. Ça évitera les retours de courrier. Au revoir. Merci, au revoir. Merci pour le café. Au revoir. Au revoir. J'avais quand même regardé le courrier avant de l'y remettre. J'espérais qu'elle ne s'en apercevrait pas. Seulement, il était 1h moins le quart du matin et toujours pas de Clara. On a la Clara Jeannot ? Oui. Merci. Merci, au revoir. Ma chère Clara, je t'écris en langue quechua, car je sais que tu la maîtrises bien. Si tu as suivi précisément mes instructions, tu possèdes alors entre les mains mon testament. Je te lègue donc comme héritage ma fameuse découverte faite à Quilabamba il y a maintenant 15 ans. C'est un vieux trésor qui te mettra à l'abri du besoin jusqu'à la fin de tes jours. Je ne t'en ai jamais parlé, car comme tu le sais, je voulais te préserver de toutes les menaces portées à mon égard. Mais aujourd'hui, je sais que j'emporterai avec moi cette malédiction dans la tombe. Tu le trouveras au fond du puits de l'immeuble.
Margarita de Cachun Capache. Pour bien comprendre les choses, lieutenant, il faut revenir 15 ans en arrière. J'avais été abandonnée alors que j'étais toute petite, mais je me souviens plus. C'est la femme de ménage qui a téléphoné. Ah non, mais oui. Action. Clara Giuano, bonjour. Je suis le lieutenant Coudert. Oh putain. Action. Au revoir. Ah oui, j'allais oublier. J'ai une lettre pour vous. Une lettre? Oh putain, on la refait, elle est dans la... Action. Clara Giuano? Tu dis oui, hein? Action. Non, en fait, j'étais pas là. Action. Clara Giuano? Il recommence! Mais c'est pas grave. C'est la femme de ménage qui a appelé. Oui, on l'a interrogée tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Clara Giuano. Oui. Bonjour, je suis le lieutenant Kersuzon. La carte à l'envers.